Manu dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, il est 6h29. On va s'écouter Avicii avec Robbie Williams. C'est le nouveau Avicii. Ça arrive pour vous après les infos. Il y aura Charlie XCX. Il y a le Super 06 qui arrive aussi dans 10 minutes. Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec Norbert. Vous ne le connaissez pas, Norbert? Non. Et vous allez le découvrir. D'accord. Un homme un petit peu spécial. Et puis un message qui vous montrera encore que le Super 06 vous permet d'éviter de temps en temps des tâches un petit peu fatigantes. Genre porter des trucs lourds, tout ça, c'est bien de laisser les autres le faire un peu. Avant tout ça, juste une info, attention, une sorte de breaking news. Pour la première fois au monde, une étude vient de prouver que les requins ont une vraie personnalité. Ouais. Ils se sont rendus compte que certains requins étaient plus sociables que d'autres, qu'il y en avait qui étaient plus sauvages. Et que ça ne dépendait pas de l'espèce, genre le requin machin, le requin marteau, etc. Mais ça dépendait de leur propre caractère. D'accord. Mélanie ? Finalement, presque comme tous les animaux du monde. En gros, c'est ça. D'accord. Par exemple, vous êtes dans la mer. Mmh. Si vous êtes attaqué par un requin, il faut juste espérer qu'il ne se soit pas pris la tête avec sa nana juste avant. Sinon, vous allez morfler pour tout. Allez, 6h30, voici les infos sur Énergie. L'actu sur Avignon avec Frédéric Plard. Bonjour, 13 degrés de relevé tout à l'heure à Avignon, Monteux et Sarrian. Les maxis cet après-midi seront comme ces derniers jours, voisines des 27 degrés, toujours avec un beau soleil. Ça continuera comme ça demain, avant peut-être quelques averses dimanche à après-midi et surtout des températures qui seront en baisse. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. Le foot en une ce matin et déjà à la 10e journée de Ligue 2, un match capital pour l'ACA. Les ACistes pourraient bien se retrouver lanterne rouge du championnat ce soir. En attendant, ils sont avant-derniers et accueillent les derniers de la Berrichonne de Châteauroux. Les deux équipes sont à égalité de points. La rencontre commence à 20h au Parc des Sports. De son côté, Nîmes accueille Laval. En Ligue 1, on a un match avancé de la 9e journée. Reims-Bordeaux, les Girondins qui courent derrière l'OM. Deux points séparent les deux équipes. Marseille, toujours leader, se déplace à Caen demain. Après-midi, puis un mot rapide de la Ligue Europa. Guingamp s'est relancé 2-0 face aux Grecs de Salonique. Lille piétine avec un nul 1 partout contre Wolfsburg, tout comme Saint-Etienne 0-0 contre les Ukrainiens de Dnipro. Un ministre aujourd'hui et demain à Avignon, celui de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve vient participer au Congrès national des sapeurs-pompiers qui a commencé mercredi. Il devrait notamment prendre part à une table ronde sur la place des pompiers dans l'organisation territoriale. L'actu, c'est également le braquage hier de l'Intermarché de la route de Montfavet à Avignon. Deux individus armés sont fait ouvrir le coffre avant de repartir comme ils sont arrivés à scooter. Mercredi, un bar tabac route de Morière avait déjà été la cible de braqueurs. Le son est tombé pendant la nuit. Avicii vient de dévoiler le single The Days, le tout premier extrait de son album attendu l'an prochain. Après True, sorti à peine l'an dernier, le DJ s'est très vite mis à travailler sur Stories. Tout est terminé depuis le début de l'année déjà. Et je pense qu'on se retrouve avec une soixantaine de titres. Je suis en train de piocher dans tout ça pour construire quelque chose de cohérent. Je fais un véritable tri. J'essaie de garder mes racines house, celles avec lesquelles j'ai grandi. Et en même temps, je tente de les enrichir avec toutes les influences des gens très différents avec qui je peux travailler. Je veux me nourrir de tout ce qu'ils m'apportent sans me perdre. Et parmi les collaborations de cet album, Robbie Williams, qui est sur ce premier single, mais aussi Chris Martin, entre autres. Avicii, l'un des favoris pour les prochains Energy DJ Awards. La cérémonie se tient le 12 novembre à Monaco. Voilà pour vos infos, 6h32. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. Et 32 minutes, soyez les bienvenus sur Énergie. Comme chaque matin, on est là avec vous. C'est Manu dans le 6-9. Tout le monde est là dans le studio. Mélanie, la première. En forme. Oriane est là aussi. Toujours là. Moral est à la réalisation. Salut. Nico s'occupe du web. Ouais. Dans 2 minutes, on va s'écouter le nouveau Avicii. C'est avec Robbie Williams. Ça s'appelle The Days. C'est le tout nouveau. Il est sorti hier. On vous le fait écouter. Juste avant ça, nous allons parler d'avions. Ouais. Il y a un truc dans les avions, c'est les classes. On est tous en classe économique. Oui. On rêve tous d'aller en première classe un jour. Ouais. Sauf que la première classe en avion, ça coûte mais une blinde. Très cher. Un jour, j'avais demandé combien ça coûte la première classe. Et le mec, il te donne un prix qui fait non, non, je vous ai demandé le prix de la première classe, pas le prix de l'avion. Mais ça ne veut c'est rien hyper dire. Très cher, ouais, c'est vrai. Et du coup, il y a des gens qui se disent putain, j'ai quand même envie de me faire cette première classe.
Il faut que je trouve un moyen d'y arriver en mentant. Hein ? Un sondage vient de montrer que 16% des gens ont déjà menti pour réussir à accéder à la première classe. Oriane ? J'ai une amie qui l'a fait. Elle a réussi ? Elle a réussi, ouais. Elle a été en première classe. Ça fait semblant d'être phobique de l'avion, d'avoir des sueurs froides au bord de l'évanouissement. Du coup, ils l'ont mis pour qu'elle soit plus à l'aise en première classe. Et ben, ça fait partie des trois mensonges les plus communs pour arriver en première classe. Oh. Un des trois mensonges les plus communs, c'est dire « j'ai peur de l'avion ». Et donc, du coup, ils veulent pas que ça fasse paniquer tous les gens autour. Ils veulent vous mettre à l'aise, ouais. Boum, ils vous envoient en première classe. Il y a deux autres mensonges, d'après vous, de quoi il s'agit ? Mélanie ? Je suis enceinte. Non, ça marche pas ça. Non, ça marche pas, je suis enceinte. D'accord. Pour la première classe. Oriane ? Mais surtout que sur moi, tu peux pas trop mentir là-dessus. Si, tu gonfles ton ventre. Ah oui, d'accord. Ouais. Bien sûr, pendant 4 heures, tu gonfles ton ventre. Tu respires plus, tu le bloques. Oriane ? Je travaille pour le gouvernement. Non. Non. Nico Duhem. Ça n'a pas un rapport avec les autres passagers autour de toi ? Non, ça n'a pas de rapport. C'est un truc sur toi vraiment. Moralisation. Ça n'a pas un rapport avec l'odeur ou un truc qui te gêne dans l'avion ? Non. C'est un truc que tu dis et il y a quelques chances pour qu'il te upgrade en première classe. Nico Duhem. Genre j'ai une grosse maladie, je suis contagieuse. Non ? Je suis contagieuse. Bah oui, sympa. Pour les mecs de la première classe. Ouais, mais ils ont. Alors, plus non seulement t'as payé une blinde pour la première classe, ouais. Mais en plus tu repars malade. Mélanie ? Je suis claustrophobe. Non, bah vous êtes pas du tout. Hein. Ah ok, bon, on y va. D'accord. Alors, les deux autres mensonges, c'est notre lune de miel. Ah oh, bah oui, tu joues sur la corde sensible. Ouais. J'avais fait. Ah non. Ça n'a pas marché. Et l'autre, c'est je vais à un enterrement. Ah ouais, je suis triste, genre. Voilà, je vais à un enterrement, je prends l'avion pour un enterrement. Ok, monsieur, on va vous mettre en première classe. Oh, 16% des gens ont déjà menti pour arriver en première classe. Moralisation. Parce que c'est bien connu, quand tu vas à un enterrement, il te faut de la place pour tes jambes et une coupe de champagne. Exactement. Et l'enterrement est quand même plus sympa. Tu prendrais bien une coupe ? Volontiers, avec ce que je vais toucher en thune. Allez, 6h35 sur LRJ. Dans 3 minutes, c'est le Super 06 qui arrive, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Ce sera juste après le nouveau Avicii. Écoutez, c'est avec Robbie Williams. Ça s'appelle The Days. Bienvenue sur LRJ. C'est Malu dans le 6-9 avec vous comme chaque matin. Under the tree where the grass don't grow.